À leur place, par contre, juste le mouvement super rapide comme ça, je pense. Ah, mais que... c'est de la bouille hein, à l'intérieur. Ah, ouais, je pense c'est que. C'est bon, les mecs. Non, mais même moi, là, quand t'es accroché, là, il m'arrache le bras, quoi. Il y a de l'air à bord. Le signal de détresse d'Eli vient de l'intérieur, alors j'espère. Regarde comment c'est beau. L'espace infini. Ouais. Bourré de débris à mort, c'est s'abuser, tout ce qu'il y a. Est-ce que ça te fait mal si je te tire dessus? Je sais pas, tu vois. En fait, il veut pas. En fait, quand t'essayes, ça tire pas. C'est pas réaliste. Si tu veux de l'oxygène, faut que tu prennes des bonbonnes comme ça. Attends, je t'en envoie une. Impossible d'ouvrir les boîtes de chargement. Je crois qu'il y a un levier sur l'autre porte. Vous le voyez ? Oui. Je vais voir s'il peut attends, entrer. Attends, faut l'exploser par contre, du coup. Non, tu l'attrapes avec la stase. Ah. Enfin, ça. T'es trop loin. Oh oui, regarde, je fais l'amour à la bonbonne. Embrasse-la bien. Oui. Du coup, j'ai absolument pas. C'est bon? Ah, d'accord. Non, j'avais absolument pas suivi ce qu'il disait. C'est vrai que les mecs sont en train de crever, ils ont pas d'oxygène en fait. Je m'en fous. Ah, ouais, et là, il y avait une caisse. Boum! Salut! Bon, tu refermes? On respire un peu. Ça va, j'avance. On respire un peu, tu sais. On est encore sous le. On n'a pas d'oxygène, mais on respire un peu. Bah là, c'est plutôt de la poussière puissance 1000 que tu respires, mais ça passe. Ah, j'ai la classe. Allez. Et sérieusement, on dirait pas un rapace? On dirait un démon. Le mien. Le mien. Non, mais le mien, on dirait pas genre un petit avec un bec? Ouais, au milieu, un petit moineau, ouais, un peu, tu sais. Ouais, j'avoue. Tout mignon. C'est moche. C'est stylé. Nani. Armature lourde. Salut Saphir. Bon, on vient de commencer il y a pas longtemps. On vient de commencer il y a quoi, une petite heure, à peu près. Ok, on fait aussi vite que possible. Marc, bon, en fait, ça sert à rien. Je peux pas le soigner. Merde. Isaac, rejoignez la porte. Je peux vous faire entrer. On voilà. S'en fout, nous. Regarde la caisse. Putain, je peux pas te la. Bon, il y avait rien là-bas, du coup, s'il y a une mission. Mardi pour la mage, Senpai, ça marche. Ça marche, pas de problème. On va être plein à jouer, enfin les réguliers, je pense. Arme à deux mains. Ah, du coup, en gros, on a plus de plans, on a des morceaux d'armes. Envoyez-moi un signal, ouais. Je vais aller voir. Me voici. Hey, n'allez pas trop loin. C'est un ordre. Bloc moteur Tesla. Alors, tu vas pouvoir créer ton arme de rêve en fait. Si tu veux. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Ouais, c'est énorme. Très bien. Je veux un zizi volant. Pouvoir enculer les meubles. Il y a un truc à faire ici. Non, je te vois, tu me regardes, je me posais une question. Je t'envoyais un objet en fait. J'envoyais un objet à ma poubelle. Bon, t'arrêtes de bloquer l'échelle, non. Senpai, il demande pourquoi on aime bien le jeu, pourquoi on aime bien l'ambiance. Il demande et puis du coup il répond à la question. On dirait des funérailles. C'est l'ambiance et le gameplay, des c'est exécutions. Ça. Des exécutions. Comment vous savez? Non, on la hauteur des taches de sang. La hauteur des taches de sang. La hauteur de taches, putain. Oh la vache. Ouais, c'est l'ambiance et le gameplay, c'est cool. Et l'histoire, moi j'aime bien l'histoire. Ouais, pour l'instant... C'est pas... Attends, on dirait tout pour ça les... ressemble à une cloison de quarantaine. Unité ouais. D'énergie. On peut la détruire. Pour insérer et retirer des unités d'énergie. D'accord. Moi, les points de force, du coup, ça me manque. Devoir économiser pour acheter des points de force, soit l'utiliser pour t'améliorer... Ouais, mais c'était chiant. Non, c'était chiant. T'inquiète pas, y'a mieux maintenant.
sur la poubelle, voilà. Putain de merde. Et comment t'as fait pour l'ouvrir? De quoi? Bah la truc là. Quel truc? Bah là où j'étais, là qui ressemblait à un truc normalement que tu actives avec les points de force, ça là. Ça c'est A? C'est coup... Tu t'appuies juste sur A et ça s'ouvre? Putain, j'étais à côté, il me l'a pas proposé, enculé va. Tout à l'heure, en fait, je passe à côté le machin, il me le propose pas parce que je crois qu'il y en avait un autre tout à l'heure, il me l'a pas proposé. Oui, c'est juste comme un casier, un petit casier. D'ailleurs, je fais tomber des boîtes si tu veux. Fou, c'est nul. Bah, comme ça, merde. T'as pas besoin de monter. Bah, tu vas te faire foutre alors. Ça a marché. On a gagné un établi. Quoi? Avec tout ce qui traîne ici, je parie que je peux faire mieux que cette arme. La coop est limitée à 2, ouais. Après, il y avait Dead Space 2, il y avait du PVP. Je crois, enfin du PVP, ouais, on peut appeler ça comme ça. Et là, je crois que c'était du 4 contre 4, mais sinon, ouais, la coop est limitée à 2 dans le 3. Le meilleur truc du jeu, ça c'est la meilleure chose du jeu en fait. Bah, de toute façon, ça a toujours été, enfin dans les Dead Space en général, c'était l'amélioration de tes armes. Bon, après, tu peux crafter ta propre arme. Utiliser le menu schéma pour fabriquer des armes, c'est-à-dire de plan trouvé ou reçu d'un partenaire. Des circuits d'amélioration, on pouvait améliorer la vitesse de rechargement, des capacités à la fréquence de tir, oui. Pour fabriquer des munitions, kit de soins en recharge, recettes de ressources, utiliser le coffre. Ah ben voilà. Ah, j'ai des armes de DLC. Oui, non mais. Bon, d'accord. En gros, attends. Parce que du coup, je finis le tuto et puis. Ça marche. Chacun dispose d'un. Tout démonté. Déjà on va déposer tous ces soins à la con. On va regarder le rouge le vire. On a chacun son coffre a priori? Ça marche, ouais c'est ça. Ouais, il y a une grosse partie au début dans l'espace et après ouais c'est surtout dans le froid, sur la planète de glace. Ouais. Et ce qui est en rouge c'est ce que je n'ai pas encore. Saphir, ouais, t'as raison, faut que tu t'y remettes. Et faut que tu débloques toutes les habilités sur tes armes aussi. Parce que maintenant, ils ont fixé le bug comme quoi elles étaient débloquées avant qu'on les achète. Mais maintenant, c'est tout bloqué, donc tous les gens qui l'ont pas fait, je pense que Gull, toi, Lagan, tout ça, faut débloquer toutes les habilités sur vos armes. Alors, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer... Je sais pas quoi encore. Ah non, c'est commencer une nouvelle. Retirer et démonter. Est-ce que du coup, parce qu'après du coup, tu récupères des morceaux, est-ce qu'il y a des morceaux qui sont pas récupérables, genre... Non, tu peux tout récupérer. Sauf si tu les détruis volontairement, mais sinon il va te le dire. Et après, tu peux même créer tes propres morceaux avec les ressources que tu trouves, genre tungstène, semi-conducteur, ferraille, tout ça. Tu peux créer tes propres morceaux. Mais bon, normalement, tu devrais avoir assez pour créer ton arme. Là. Vous ne devriez pas démontrer votre seule arme disponible. Un bloc moteur Tesla. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... D'accord, il m'emmerde. Déterminer type de projectile. Non... Et chaque arme, tu peux... Enfin, ça dépend des montures. Ah, tu peux faire arme secondaire et principale. Enfin, sur la même arme, tu peux avoir deux types d'attaques. Oui, normal, ouais. Je vois. J'ai pas grand-chose, en fait. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, j'ai fait un méga PK lourd avec trancheur. Ça a l'air intéressant. Ah le con. Rafistolage. Revolver. Qu'est-ce que tu fais? Capacité, vitesse. Voilà, donc celle-ci. On va prendre ça. On va tirer des montées. En dessous, on va mettre... Ah mais en fait ouais non je vais t'emmerder à chaque fois. Okay. Une arme militaire. Je vais redémonter l'autre. Ça
Mais non. Je peux la recrafter la petite. Ça a l'air pas mal ça. J'ai fait un pistolet qui coupe. Ouais non mais justement moi j'essaie de faire un truc mais comme on n'a pas assez de morceaux en fait je peux pas. Pour l'instant je peux pas créer ce que je veux. Ouais au début tu c'est un peu la merde mais t'inquiète pas. Ah parce que du coup ok si je sortais encore tu sais du menu complètement. Mais là il me laisse même pas tout démonter pour pouvoir remonter comme je veux. Je suis obligé de tricher un peu en fait. Fabrication de nouveaux outils. Et y'a pas de. Attends, oh le bâtard. Après tu peux mettre aussi des modules plus tard, je crois pas qu'on en est là maintenant. Ouais, on en a pas. Pour aider ton coéquipier, en fait ça va augmenter par exemple l'attaque de ton arme et après de la mienne aussi. Donc, ouais, c'est les combos quoi, ça fait des combos. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais c'est parce que du coup il galère un peu. Voilà. Bloc bon, moi je suis prêt quand tu veux. En bout inférieur, outil inférieur, découpeur plasma. Difficile et pas simple quand tu fais de balles, extrême, drapeau blanc. J'ai déjà fait Borderlands 2, je les ai tous. Non, j'ai fait le 2 et Pre-Sequel. Mais j'ai pas fait le premier. Ok. Je vais détruire ça. Module 1. Quoique non, je vais le garder de côté. Et après, ce que je peux faire, Gull, aussi, c'est genre créer un schéma d'une arme que je viens de créer moi-même, qui est complètement originale. Après, ouais, tu vas dans schéma et ouais, je te le partage. Alors là, j'ai fait une carabine lourde standard avec méga PK. Sympa. Non, parce que du coup, en fait, ça s'approche trop. Blam! Regardez, donne-moi ça. Oh, oui. Regarde, quand ça s'approche trop, je mets un coup de... Comme ça, et après, je peux tirer. Ouais, ça elle est vachement bien. C'est une lourde que t'as fait, mais j'ai pas trouvé oui, moi lourde. C'est une lourde. Ça voulait pas. J'ai chopé une armature lourde tout à l'heure. Ouais, j'en ai une, mais ça voulait pas me faire une mitraillette lourde en fait. Et là, j'ai fait un petit pistolet dégueulasse. Tu veux voir un peu. C'est un petit pistolet électrode. Ah, c'est ma faute. Tu l'as pas ramassé ou tu l'as pas vu? Non, c'est. Attends. Comment je reviens? Confirme. Parce qu'en plus, l'armature lourde. Si, l'armature lourde, je l'ai looté tout à l'heure quand on était sur le gros vaisseau. Ouais. Okay. Non, mais c'est moi qui ai pas vu, j'ai mal fait. Je vais recommencer vite fait. Par contre, les schémas, les composants, tu sais, que tu peux mettre là, les espèces de trucs pour améliorer l'arme directement. Ouais. Ils sont consommés, eux? Non, tu peux les enlever aussi. D'accord. Fabrication d'objets. Bon, après tout ça, ok, tout ça on n'a pas. Le transducteur, tout ça on n'a pas. Hydraulique, non. C'est un arc à électrode, voilà, que j'ai déquipé. Trancheur, ah, c'est bon ça. Fabrication d'un nouvel outil. Par contre, je crois que les circuits vont rester dans les. Dans les poignées. Enfin, ouais, en gros, ouais, l'armature ouais. Quoi. Ouais, il faut les enlever. Déchireur. Non. Alors, l'outil inférieur ne fait quasiment pas de dommages, mais ça, c'est normal. Attends, mais j'en ai pas eu. Non, j'ai pas. Pourquoi il me demandait. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Qui a metté? Cadence de tir. Ah, attends. Non. On va tuer le circuit. Ah, d'accord, ok. Moi, il y a tout plein de lumière sur mon arme. C'est abusé.
Il y a tout plein de points. Magnifique. Ah, par contre, ouais, quand tu retires le circuit, tu l'es perdu. Il est perdu? Non. Ouais. Bah, écoute. Attends. Je l'ai retiré et je l'ai plus. Ah, sinon, il est. Non. Ah, c'est un recharge en fait qu'on a. D'accord. Oui, c'est recharge. Non, mais je le voyais plus. En fait, quand je l'ai retiré, je le voyais plus dans le dans l'inventaire. Enfin, dans le. Quand tu ah. Bon, bah écoute, on va essayer comme ça. Par contre, toi, c'est que c'est une carabine là, c'est pas un fusil d'assaut, donc c'est coup par coup. Hein. C'est coup par coup et j'ai plus rien pour découper. Ça va être compliqué, je pense. Pas top. Je pense que ça va être compliqué. Bah, tu vas en chier. Mega PK peut être intéressant par la suite. Non, en fait, ça peut être intéressant par la suite quand tu as beaucoup d'ennemis pour repousser un peu, mais là. Moi, il y a plein de points sur mon arme. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, bloc moteur Tesla. Ah, j'ai que ça, j'ai vraiment que ça. Chien inférieur, j'ai que dalle. Bon, bah tant pis. On va essayer comme ça, on verra bien. Non, mais ça va aller. Oh, le mec, t'as vu les lumières morceaux, là? T'as combien de morceaux là-dedans? Le mec, il a toutes les armes qu'il a. T'as tout démonté, et du coup, t'as une arme OP, quoi. T'as vu, y'a tout plein de lumière dessus. Mais c'est n'importe quoi. Ça va leur faire peur, aux monstres. Ah non, ça coûte rien de, moi, de modifier. J'ai deux points, tu sais. Tu peux tout modifier à volonté, c'est ça qui est énorme. Là. Vas-y, tourne, fais quelque chose, tu vois. Moi, je peux rien faire. Moi je sais pas, j'ai essayé, normalement c'est. Non, c'est parce qu'il fallait attendre que la porte derrière nous se ferme, je crois. Oh là là, super. Jeu de merde. Alors, là aussi, je suppose. Non. Alors, on peut pas en faire. Ah, c'est des arbres. C'est un moment qu'ils sont là, eux. Oh merde. Elle est trop lente mon arme. Vas-y bouge Bobby, bouge. Les gars, ça va chauffer. Elle est trop lente. Eh bah tu sais quoi, heureusement que j'avais mon mega PK, hein, parce que mine de rien, ça. Le petit coup du coup dégagé. Gardez une arme à la main et tenez-vous éloigné des produits d'aération. Bien su. Vas-y, je rentre le premier si je me fais défoncer. Bah, je te regarde. Ouais, ou tu m'aides. Oh, ça peut aider, hein. Je suis pas sûr. Ah, mais en fait, est-ce que ça les chie non-stop? Ça les chie non-stop. Ouais, c'est pas. Vas-y, je le stun. Je le stun lock, vas-y, tue-le. Le suivant. Non. Vas-y. Non, c'est. Je suis fier de toi. Le tier 2, il est pourri pour moi. Il fait pas assez de dégâts. Ah merde, j'ai jeté ma caisse. Nous n'avons plus de moyens de défense. OP. Bon, bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est juste qu'il faut t'attendre qu'ils approchent en fait. Ouais, c'est juste c'est que c'est très lent en fait. Moi ce sera mon arme, ce sera ça mon arme. Ça marche. Là-bas il y a une relique. Ouais. Ah, tu l'as prise du coup. Yep. Ouais, donc du coup je crois que tu m'as répondu ce que ça faisait des artefacts. Si, il est sur PC. Hein. Vas-y, recule. S'il passe, il se prend une caisse, le machin. Vas-y en premier. Ah, j'ai perdu ma caisse du coup. Eh ouais. Jeu de merde. Non.
Dommage par contre, je me relève. Sinon, tu sais, je me serais bien mis accroupi, toi, derrière. Ah, oui. Ouais, non, il se relève quand ils visent. Mais bon, après, on peut pas se tirer dessus, donc ça va. Non, mais c'est pas pour le côté, c'est juste pour le côté, je te gêne pas. Si... Mais là, mais t'as choisi en fait la meilleure. Le meilleur combo. Le meilleur combo de... T'as le truc qui repousse. Moi, c'est ce que j'utilise en fait en impossible. C'est vraiment le truc le plus facile. Enfin, pas facile, mais le plus utile. Ouais, donc en gros, j'ai jamais regardé le jeu, je me suis même pas renseigné et j'ai fait le truc le plus OP. Très bien. Ouais, moi, c'est une des armes que j'utilise le plus. J'ai ça en dessous et une mitrailleuse au-dessus. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas ça. Là, pour l'instant, c'est une carabine, donc je fais du coup par coup, mais. D'accord. Et comme quoi. Être un survivaliste. Ouais, parce que sur les trucs en fait te sautent toujours à la gueule et ils apparaissent toujours près de toi. Le truc c'est qu'on va dire le tuto m'a bien fait comprendre qu'ils étaient très rapides et que. Ouais. Donc. Mettre un cours de munitions ! Barricadez-vous ! Retenez-les encore un moment ! C'est des nécromorphes. Oh bye ! Ah mais non, faut pas ramasser ça. Ce sont des morts qui ont été réanimés en fait. Je peux pas mais oui, zombies aliens. Ça marche aussi. Sinon, non, mais à la souris, c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment un jeu console, donc faut vraiment une manette pour pouvoir bien jouer. Tu l'as pas ramassé le transistor qui était là ? Si, j'ai. Ah non. Hop. Tchou ! Alors, est-ce que comme dans les autres. Ah, attends. J'ai des amis. Putain, ils ont évolué quand même, hein. Ils sont dégueulasses. Ils sont encore plus dégueulasses qu'avant. Mais maintenant c'est plus des bébés. Avant c'était des enfants. Meurs. Oh putain. Oh putain tu m'es. Par contre. Ouais, non, en vrai, je vais arrêter. Parce que vu que c'est les mêmes munitions, je vais utiliser. Je vais vraiment utiliser la même arme tout le temps, en fait. Oui, franchement, avoir deux armes, c'est pas. À la limite, enfin, moi, avec toutes les heures que j'ai eues, en fait, j'avais une arme pour les monstres normaux et après une deuxième arme, c'était rien que pour les boss, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'était ça. Alors, par contre, ouais, c'est. Merci. Après, si tu dis, là, c'est vraiment le temps que je reprenne des marques à peu près propre sur le jeu. Après faut faire gaffe. Même là ça commence à revenir doucement. Le gameplay en lui-même change pas des masses. Non. Après faut juste faire gaffe à quel type d'arme que tu fais parce que par exemple moi elle consomme énormément donc je vais devoir changer. Moi je regarde vite fait par contre. Pour les balles. Je me soigne par contre parce que j'ai pris un peu. C'est... Ouais, c'est des vieux jeux PC, enfin vieux jeux PC, c'est pas optimisé bon, PC, donc la souris elle est pas. À la base tout à l'heure. Trop rapide, c'est très, bon, très dur de bien la gérer, enfin voilà. Ah ouais, mais on va en chier hein, si on commence à faire des armes OP dès le début, enfin trop puissantes. Ah, mais là c'est pas une arme OP, mais bon. Après, c'est avec le méga PK, bon. Non, mais j'ai laissé un stack de 20 munitions derrière moi en fait, je l'ai mis au coffre. J'ai fait pareil. Pour pas partir avec trop de munitions. J'arrive à l'alimenter. Vous pourrez emprunter l'embranchement. Bon, dis-moi quand tu trouves des semi-conducteurs, genre de trucs, parce qu'apparemment. Un ascenseur qui monte à la flèche. C'est chacun pour soi, donc préviens-moi au cas où que je passe pas à côté. Ce serait bête que je sois nettement. Parce que du coup, j'essaie de te suivre, ton rythme, mais. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance. Mais comme je connais pas le jeu. Je te laisse explorer. Il faut retourner ici. J'ai été bloqué par une canette de coca. J'ai l'impression de jouer à Call of Duty, bloqué par une canette. Attends, je refais le tour, je crois que j'ai oublié un truc. Oh putain. Le relou. Ah oui, non, attends. Non, faut baisser les trucs là. Ah oui, bah, tu vois. Donc, du coup, là par contre, faut le faire à deux. Non mais, putain, le mec. Quoi ? Faut le faire à deux en fait, j'arrive. Ah, non mais vas-y, j'arrive. Non, c'est bon. Oh le chien, viens ramène ton cul ici.
Faut que je le... Ouais, bon, tu le baisses et moi je l'active. Ah non, là, faut que tu le maintiennes. C'est vraiment lent. C'est bon ? Attends. Ah, non, mais faut que tu le maintiennes. Oui, j'ai vu, il y a des bestioles aussi. Bon, j'avoue que pour ce genre de truc, j'aimerais bien avoir un petit cutter placement. Juste pour ça. Ok, une de fait, faut faire le reste. Ah, okay. On a du monde. Arrive. Je recharge. Derrière toi. Ah. Là, elle met trop de temps à tirer en fait. Ça sert strictement à rien. J'ai pris cher. Ah bah toi aussi en fait t'as pris un peu. Non, pas même pas. C'est si, moi qui tank en fait. Je tank un peu quand même. On peut améliorer son armure, j'espère. J'espère qu'à un moment on aura ouais. Ça. Ah, c'est bon là. Y'a quoi ça? Alors. Allez, soit tu check à droite, soit tu check derrière. Tu vois, on tourne au même moment. Tu sais, les vieux réflexes des mecs qui jouent au jeu de survie, ils regardent tout le temps. C'est ça. La vieille parano. Vas-y, faut que tu tournes au milieu. Alors, oui, attends. Ah ok, faut rester appuyé. Derrière toi. Devant. Eh merde. Oh, il m'a eu. Putain, mais je mets trop de temps à tirer. C'est bon. Là, ma faute. Faut vraiment que je change. Au lieu de lui mettre un petit coup de méga PK pour le repousser. Ouais. Moi la mienne en fait, elle est tellement lente à tirer, c'est que ça me bloque dans tout. Genre je tire, faut que j'attende un moment avant de faire de la stase et tout, c'est horrible. La mienne aussi en fait, elle tire pas. Enfin, elle tire peut-être un peu plus vite que la tienne, mais bon, je fais beaucoup moins mal. Donc. J'aime bien, on voit le truc passer à côté de nous, tout va bien. Hé, on a du jus. L'embranchement est ouvert. Mais de rien. Tu tombes. Rosen, Locke, faites gaffe. Carver, Isaac, on va à la sèche. Il est passé où le petit con? Derrière toi. Il est au-dessus. Là, à côté. Merde. Prends l'habitude aussi de utiliser la stase pour attirer les armes quand il meurt. Enfin, les munitions, c'est ce qui drop en fait. Ouais. Je t'avoue pour l'instant ça c'est pas... Ouais après ça vient mais c'est pratique parce que bon ça peut tomber partout en fait cette merde à chaque fois. D'ailleurs y'a pas des trucs, un truc tout con comme dans le premier, y'a pas des trucs à ramasser genre des conducteurs ou autres qui peuvent être un petit peu dans des endroits un peu bizarres. Je sais que dans le premier et le deuxième y'avait des trucs comme ça où si tu regardais pas... Tu vas peu, voir oui, ouais. Y'a ça tu verras. Genre au bout de 2 heures, t'apprendras encore des choses du jeu, quoi. Ouais, ok. Il est long cet ascenseur. Bon après j'avoue, on aurait joué en normal ou en difficile, on se serait fait chier. Ah oui, oui, complètement. Par contre je vérifie. Ouais, bon par contre j'ai plus de soins, il m'en reste un. Faut que j'arrête de me faire taper. Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut revendre, enfin entre guillemets revendre les trucs de soins quand tu les utilises pas? Parce que là, bon, du coup, j'en utilise beaucoup. Tu peux les détruire et récupérer des ressources, ouais. D'accord. Alors ça peut être utile s'il y a des trucs vraiment que j'utilise jamais, genre les trucs de stas, tout ouais, ça. Oui, tu peux. Ouais. Pour recharger, ça peut être utile. Ouais. Regarde. T'es beaucoup trop borné pour mourir. C'est Bobby Lafronde. Capitaine, c'est bien lui? Ouais. C'est lui. Comment t'es bonne à gauche? Enfin, la meuf de droite plutôt. Ellie? Ouais. C'est elle, Ellie. D'accord.
Du coup, Ellie, c'est pas la femme à la base de... Si, c'est la femme de Ethan, à la base. C'est celle que tu sauves dans le 2 et après ils finissent ensemble. Tu sais, c'est celle qui se fait arracher l'œil. Ouais, donc finalement, elle a préféré aller voir quelqu'un d'autre, quoi. J'espère qu'il va crever le Space Marine, là. Tu vas en gros, c'est que, ouais, Isaac, il est redevenu fou. Enfin, il était pas stable. Elle a recouvert les donc elle l'a quitté. Les réponses sont là, je le sens. Mais elle aussi, elle comment fait, elle fait la même chose. Comment tu peux quitter une paire de boobs comme ça, quoi. T'as vu ça un peu. Tu peux pas. Oh, la Renoir, c'est pareil, elle a pris cher. Hein. Ils ont tous pris cher. Enfin non, elle non. Elle est full vie. C'est le mec. Ah oui. Sabine. Ah, la nouvelle établie. Ah, délié du capitaine. Ta vie amoureuse, tout le monde s'en fout. Oh là. Ta gueule. Tout le monde s'en fout. On s'en bat les couilles de ta vie. Me parle même pas. T'es juste utile pour la mission. Alors ferme ta gueule. Découpeur plasma. Ouais, je vais changer mon arme. J'ai un rayon laser. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de me dire ça. Cadence de tir. Ah, ça, une cadence de tir, c'est pas amélioré. On va vite changer ça parce que c'est horrible. Par défaut, vitesse. C'est pas mal. Trancheur. Putain, je sais pas quoi. Bonne nuit, Saphir. Ouais, voilà, je vais repasser sur un trancheur de base. Les boobs, c'est le principal. Et... c'est clair, mais c'est clair. Ah. En vrai, je vais rester sur un... Oh, je suis sûr que si tu mets une armure... En fait, il nous faudrait une armure lourde, en fait, pour pouvoir avoir le gros trancheur, là. Ouais, là tu t'emballes mec, tu t'emballes. Il faudrait une armure, le raison. Non, c'est bon, tu t'emballes là. Non, une armature lourde pour pour avoir l'espèce de gros truc que t'avais avant. Genre, tu sais, c'est super large, je pouvais pas le tourner, mais il était super large. Ah. C'était pas mal pour les couloirs en général, tu nettoyais comme ça à coup de... Possible, ouais. J'ai plus envie de tester. Alors si je la mets en compact. Où il est plus... T'as tellement de trucs, c'est au bout d'un moment, ça va être fou, quoi. Je te parie que je vais quasiment pas changer mon équipement de toute la partie. Ah, mais une fois que t'auras trouvé ton arme, non, je pense pas non plus. Faudrait que faut juste trouver l'arme qu'on aime et c'est quoi bon. Non, sortez de là. Puis après, quand t'auras des circuits d'alimentation, parce qu'on va en trouver des plus élevés, et plus on joue en difficile, plus la difficulté est élevée, plus on en trouve des meilleurs. Et d'accord. Tu verras que même les armes en fait changent, genre tu prends un truc lent, tu le mets super rapide, ça changera complètement le gameplay, la façon de jouer, ouais, c'est énorme. Oui, c'est pour ça que j'adore moi ça dans le bench, quoi, dans Dead Space 3, c'est énorme. Schéma créé avec succès. Oh, elle est trop swag mon arme. Elle est swag. Ou à ta munition. Recharge automatiquement l'arme une fois le chargeur. Oui, ça c'est pourri. Je sais plus en fait c'est exactement ce que ça fait. Ça c'est pas mal, renforce ta zig, les recharges de ça. Bon là c'est pas le truc ouf, mais... Ouais, t'as même genre... Ramasse automatiquement, l'aspirateur. Ouais, ouais, t'as des trucs comme ça, ouais, sympa. Ouais. Ça, l'aspirateur, ouais. Genre augmente le chargeur et tout, enfin, c'est abusé. Ah bah ça, c'est dans le même module, en fait. Enfin... Renforce ta zig. Et je voulais voir, par contre, tu peux voir combien tu consommes en munitions, par contre. Est-ce qu'un chargeur, ça prend toujours autant de munitions, bah, je genre, crois pas, en fait, ils te le disent pas. C'est vrai, parce que du coup, tu sais pas trop... En fait, tu te rends compte, je suis déjà vide alors que j'ai tiré 3 fois, bon, ok, c'est peut-être que... Bah, en fait, quand tu sélectionnes ton arme, tu vois combien il te reste de balles, et ça devrait changer par rapport à l'arme que t'as. Genre, par exemple, là, j'ai une mitrailleuse avec des disques de scie. La mitrailleuse, elle a 400 balles, et l'autre, c'est 100, 130, quoi.
Ouais, genre là, mon méga PK. Alors, mon arme principale, elle fait 127. Je peux tirer 127 fois avec. Le méga PK à 75. En fait, le méga PK consomme autant que mon cutter laser qui est à 75. Voilà. Let's go. J'ai réussi un truc, c'est au niveau des dégâts des armes. Oui. Ah, mais c'est dommage, on peut pas voir directement. Dommage 6. Oui, forcément, elle fait quasiment 8. Le petit cutter. Isaac, je suis désolé. Je suis un Orokin. Attends, Ellie, elle te parle. Ton ex, elle te parle. Bien sûr, je t'ai jamais trahi, moi. Ah non, tu as trahi le monde. Hé, hey, j'en ai pavé. J'ai déjà assez perdu, tu crois pas? Isaac, c'est ma chance. Pour les paliers, c'est à peu près ça, moi, de ce que j'ai vu, ouais. 5, 20, c'est pas entre 20 et 40, ça a pas l'air de trop là. Bouger. Des fois, pour certains côtés, c'est pas génial. Non, on peut pas, ouais. Y'a que Metal Gear Survive qui fait ça. Tu vois que ce jeu, il est parfait. Non, mais c'est vrai que dans les TPS, ça a été très long hein, pour que tu puisses changer d'arme droite-gauche. Ça me rappelle quelque chose, ça. Il y a un métier. Bon, on tire sur la petite boule blanche, jaune du moins. Oh putain, t'arrêtes de bouger, s'il te plaît. Oh, bordel, je me suis loupé. Ah, je peux pas. Bon, putain, mais c'est résistant cette merde. Voilà, un cutter voilà. Plasma bien placé, on n'en parle plus. Ah oui, il faut faire ça. Faut refaire les réacteurs. Ah, le même principe que tout à l'heure. Je pensais que j'avais une arme automatique, mais en fait, non. Non, au début, elles sont pas... Attention. Au début, c'est coup par coup, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, avec le stuff de base. Ah, oh, je t'ai tellement sauvé la vie. Tu vois quand tu veux. Quoi? Quoi, je sens un bruit. J'entends du bruit. Quelque chose approche. Et pas qu'un peu. Il y a du monde. Non. Vas-y, tu peux le tuer, vas-y. Alors, du gel sonnette. Oh putain. Recule, recule. Excuse-moi, je te passe devant. Ah. Ouais, voilà, oui, c'est ça, ouais. Pour ça que je te disais de reculer. Excuse-moi, putain, je te passe devant à chaque fois. Ou c'est toi qui recule. Non, c'est bon, c'est pas grave, y'a pas de problème. Ça. Ah oui, ça t'empêche pas de tirer. Non, c'est bon. Enfin, c'est pas comme sur les UGS, je pense pas les balles. Mais t'étais pas devant moi, derrière. Oh merde. Là, on est dans la merde. Bah ouais. Non, tu vois. Tu vois, tu peux tout faire, c'est bien. Oui. J'ai pas tiré une balle. Hein. J'économise. J'ai vu. J'économise pour l'instant parce que à chaque fois, j'ai pas le temps. Je me suis senti seul. Ah, j'étais prêt à mettre un coup de PK au cas où, hein, mais. Par contre, comment on utilise les. Ah non, c'est parce que j'en ai pas en fait. Les réserves de stase, tu sais, quand t'as plus de stase. On n'a pas, c'est pour ça. Bon, après, ouais. S'il y a que ça, tu me demandes. Hein. Moi, je peux utiliser, je suis full. Hein. Non, ça va. Je regarde si tu veux. Non, j'ai pas de stase non plus, par contre. J'ai du soin si tu veux. Non, ça va. Ouais, j'en ai une chier. Non, mais c'est toi qui tank, donc ça va. C'est vrai. Je tire pas, je prends les coups. Du coup, je pars sans munitions. Oh mon dieu. Il y a pas de détonateur là, par contre. Pas de détonateur pour récupérer les munitions. Ah oui, ça rien. C'est de la stase, t'en as. Voilà. Bon, tu fais quoi? Tu passes le premier? Ah non, je te regarde faire, tiens. D'accord. Putain, ça m'attire par contre. Wow. Ah merde, con. Ah
Ah bah oui, bah en fait, il faudrait que tu stasses de ton côté aussi, en fait. Ça serait pas mal. Oh, c'était drôle. Le mec, il stasse pas, quoi. Non, j'ai stassé la première, après la deuxième, maintenant j'ai pas eu le réflexe. Concrètement, j'ai pas eu le réflexe. J'étais en mode, merde, comment on fait déjà? Trop tard. Bizarrement, il veut pas se remettre. Là, je passe. Oh, bah, j'ai compris. Les grosses pales. Ça devient un jeu porno. Oh merde, buté. Désolé. Hein. Chouette. Il m'a touché. Bien fait. Ça c'est le principe, ça. Le principe de Dispé, c'est de casser pardon. Tous les... C'est pas grave. C'est pas grave, j'en veux pas. J'en veux absolument pas. Hey, mec, il me balance une caisse. J'en veux pas. C'est bon, j'arrive bientôt. Hey. Ah, puzzle. Vous n'osez pas demander la direction. Vous n'avez qu'à suivre votre traceur. Et j'étais bloqué par un truc invisible. Bien. Soit, pourquoi pas. Regarde, je peux pas avancer, là. Il y a un truc invisible. Mais non, il y a une caisse. Mais je la vois pas. Non, moi je la vois, hein. Je t'assure que je la vois pas. Il y a un errant. Errant. Il y a un errant. Ouh, du puzzle. Le puzzle à deux, ça te déchire. Faut faire quoi? Faut aller là. Et faut faire A. C'est cool, hein. C'est difficile, et donc. Quand t'es seul, faut le faire avec les deux joysticks, c'est marrant. Elle est tellement swag, mon arme, mec. Il y a des dessins et tout dessus. Il y a des dessins. Oh, c'est encore une arme de Kikou, ça. Ah, et Call of. Voilà. En gros, t'as copié quasiment mon truc, sauf que t'as une meilleure armature, quoi. Oui, non, mais moi c'est une scie, hein. C'est pas un truc qui repousse. Ouais, mais le haut, c'est une carabine, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Je pense que ça fait un moment qu'elle est morte, là. Et il s'en bat les couilles. Il a juste vu un cadavre, même pas. Ça aurait été moi, pendant la cinématique, j'aurais explosé le cadavre juste pour être oui, sûr juste que au cas pas où, un truc ouais. Bizarre. Oh le timbré! Carver, qu'est-ce qui se passe? Arrête là! Isaac! Hey! Arrête là! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe! Le mec il pète un câble déjà, c'est bon. C'est ça. Tout va très bien. Ellie, l'amiral était obsédé par une clé. Quel genre de clé? Hey! Quel genre de clé? Un appareil extraterrestre. Je crois qu'il en aura le cul. Ouais. Je dois dire putain, mais moi je me suis collé avec des timbrés là, ils me font chier. Elle voulait l'arrêter. Elle n'a pas arrêté d'écrire ça comme un mantra. Comme des instructions. C'est exactement ce que nous cherchions depuis tout ce temps. Ce n'est pas une planète ordinaire, Isaac. C'est non. C'est la planète. Ouais, c'est ça. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent ça, mais ça a toujours été son origine. Alors certes, c'est 200 ans avant, mais qu'est-ce qu'il nous dit que c'était pas une copie d'il y a 200 ans, et que final, 200 ans plus tôt, encore, t'en avais une autre. Ah, ça. Ah, pour le 4, ils vont sortir ça pour le 4. Ah, finalement, c'était pas la première. Non, il y aura jamais de 4. Et on s'en bat les couilles. Ici Buckle. Nous venons de trouver un transporteur appelé Crozier. Si nous arrivons à le remettre en état, nous pourrons atteindre la surface. Pas question. Regarde là, il y avait un truc, tu me l'as pas dit. Une relique. Bon sang, Robert. Nous ne détruisons pas ces monolithes. Nous n'aurons nulle part où aller. En tout cas, cette navette est notre seule chance. Où est-elle? Sur le plus gros vaisseau de la flotte, le Terra Nova. Ah ouais, et après tu vas voir que
Ce qui est pas mal dans le 3, j'aime bien, c'est que t'as des quêtes secondaires que tu vas trouver un peu au hasard en te baladant. Et t'as même des quêtes que tu peux faire que à deux, que en coop. D'accord. Donc c'est pas mal. Ouais,